saïwa, son père saïwa. Limana bala bala e, Sansana nabasono, Ganga lokola kake, Ona candidature à maréchal, Mobutu sese seko. Tous à la sincère, tous à la franc. Tous à la sincère, tous à la franc. Hypocrisie cowboy, ingratitude cowboy. Nani a koki kosunga ekolo. Soki mobutu te nani mosusu. Mobutu seko. Sensibilisation, il y a un peuple. Mars, qui n'a moins de mai. Responsabilisation, il y a un militant, il y a un militant. Moins de mai, qui n'a moins de novembre. Propagande électorale, pour y avoir un président, il y a un père. Autonome, moto, à ça, l'examen des consciences. A Kanisa et Paït Outi. Il y a mis son candidat, mon moto, c'est. Il y a mis son candidat. Ganga, ganga, na kombo ya Mobutu. Azali kandida na biso. Na basando na bilanga na katia misale pa ibozali. Kandida na biso Mobutu. Bana kelasi boye bisa batata na ba mama. Kandida na biso Mobutu. Ya biso kandida, Mobutu sese. Ya biso kandida, Mobutu sese. Yeah.
changer bino rien. Comité central, bureau politique, n'a pas commissaire du peuple. Candidat Nabiso Mobutu. Conseil exécutif, la magistrature, n'a armée nationale. Candidat Nabiso Mobutu. Pas gouverneur, n'a pas commissaire de zone Nyonsoy. Candidat Nabiso Mobutu. Yabiso candidat, Mobutu Sese. Yabiso candidat, Mobutu Sese, Mobutu. Ganga, ganga, na tombo ya Mobutu. Eko kute bino rien. Bonjour. Donc, il faut que le peuple congolais commence à comprendre que l'heure doit être grave pour Kabila. Vous devez vous mettre debout. Vous avez peur de quoi? De libérer le Congo RDC. On tue en masse là-bas. Et là maintenant, il y a un problème. Plus de 40 000 enfants en famine en RDC. Mais on est en train d'exterminer le peuple congolais de la RDC. Mais vous allez prendre conscience. Ce que je fais, c'est toute une sensibilisation pour sensibiliser les peuples que l'heure, elle est grave. Montrez-moi, faites-moi voir ceux qui ont déjà parlé comme moi je parle à des dirigeants occidentaux. Il est temps que vous puissiez comprendre que seul que la lutte qui libère, Thomas Sankara l'avait dit, seul que la lutte qui libère, voulez-vous être libre ou voulez-vous être esclave? Paris a été occupé par les Allemands. Mais est-ce que les Français ont laissé que les Allemands continuent toujours à occuper Paris? Nous allons suivre un extrait sur l'occupation à Paris. C'est parti. Jamais les Français n'ont autant dénoncé que durant ces années noires. Jamais le pouvoir n'a autant utilisé l'arme de la délation pour traquer ses ennemis. Cette arme, ce fléau a attisé un climat de guerre civile. Ce poison a tué des milliers d'innocents et marqué à jamais la mémoire de l'occupation. Au-delà des résistants, des communistes ou des juifs, tous les milieux sociaux ont été touchés. Pour tenter de comprendre ce phénomène qui a rongé notre société de l'intérieur, il faut aller à la rencontre. Voilà, je vais un peu arrêter, mettre un peu pause. Vous avez suivi des Français. Des Français commençaient à s'armer et commençaient à tirer sur des Allemands. Vous avez vu? Des Français résistants. Donc ça veut dire que nous, le peuple bantou, Congo RDC, Congo Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, tous ces peuples-là africains qui sont en voie de disparition par une dictature,
par des dictateurs et à cause de nos minéraux, nous avons le droit de nous défendre pour libérer notre continent qui est l'Afrique. Avez-vous peur de quoi, Congolais de la RDC? Le Congo, c'est votre pays. Le Congo, c'est votre terre. Vous devez défendre le Congo. Nous allons continuer à suivre la France sous l'occupation pour que vous compreniez que les Français se sont battus pour libérer leur pays. Alors, quand on dit résistant, quand on dit combattant, il faut se battre. Nous avons aujourd'hui les systèmes des réseaux sociaux. Mais c'est bien. Ces réseaux sociaux nous aident à nous exprimer parce que les chaînes télévisées, TF1, Canal+, jamais ils viendront vers nous. Mais les Français se sont battus. Les Français ont commencé à s'armer et tirer sur des Allemands. Mais c'est ce que vous devez faire au Congo RDC. Commencez à s'armer et tirer sur les étrangers qui sont dans votre sol et en train de vous massacrer. Mais il n'y a que comme ça. Il n'y a que comme ça. Oubliez, je vous demande. Je vous demande, je vous le demande. Hein? Oubliez ce qu'on vous a mené. Oubliez ce qu'on vous a mené, la Bible. La Bible pour vous faire endormir. Oubliez. Oubliez cela. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu, oui, mais ce n'est pas Dieu. Vous avez besoin de vous armer et de tirer sur ceux qui sont en train de vous massacrer éperdument pour les pillages des minéraux. Il est temps que vous puissiez comprendre. Hein? Il est temps que vous puissiez comprendre. Arrêtez d'être en vous-même des traîtres, des collabos. Arrêtez. Nous allons voir en France des Français tirer sur des traîtres. Hein? Tirer sur les Allemands. Vous allez voir. C'est parti. Annette, l'amoureuse insouciante. Jacques, l'inspecteur de police. Louis, le fils du boulanger. Robert, le militant collabo. Michel, le jeune communiste clandestin. Et aussi Eva, Claude, Sarah. Ils avaient entre 15 et 20 ans. Témoins, victimes ou même auteurs de dénonciations. Voici leur histoire. Ils vont nous raconter l'engrenage infernal de la délation. Une part sombre de notre mémoire collective. Juin 1940, la France subit l'une des défaites les plus humiliantes de son histoire. Le maréchal Pétain a annoncé publiquement l'armistice. Les Allemands sont les nouveaux maîtres du pays. Pour la première fois, les Français doivent faire face à une occupation militaire massive et durable. Seuls à avoir le droit de filmer, les vainqueurs se mettent en scène dans les rues de Paris. Les regards des passants, figurant involontaires, sont non fuyants, impénétrables, haineux. Eva a 15 ans. Elle vit alors à Paris avec sa famille. Ça a été vraiment quelque chose d'épouvantable pour nous, en voyant tous ces uniformes arriver du jour au lendemain, envahir toute cette capitale avec des chants absolument sur deux, rutilant de tous les côtés. Enfin, c'est vraiment quelque chose de tragique, d'épouvantable.
Dès les premiers jours de l'occupation, les Allemands donnent des concerts. Strauss, Mozart, Wagner. L'effroi laisse rapidement place à une forme de soulagement. Les Allemands se tiennent plutôt bien. Contrairement à la légende, ils ne coupent pas les mains des enfants, ne violent pas les femmes. Ici ou là, ils aident même aux moissons, offrent du chocolat. Ambivalence des sentiments humains. Si on pleure la défaite, on applaudit aussi l'armistice. Pour la majorité des Français, les Allemands ont gagné la guerre. Il faut faire avec. Robert a 16 ans. Il vit à Viry-Châtillon dans une famille ouvrière. La vie courante a repris avec des Allemands à côté de nous. Qu'est-ce que vous voulez faire? On a bien même été obligé de leur parler. On allait à la mairie, c'était des Allemands. On allait au cimetière, il y avait des Allemands. On allait n'importe où, il y avait des Allemands partout. Tout ce qui était administratif, c'était des Allemands. Là, ils étaient pas méchants, ils passaient en voiture avec des mitrailleuses sur la voiture quand même. Et c'est tout. Et la vie a repris. L'occupant réquisitionne à tour de bras et s'installe même chez l'habitant. La famille de Claude est obligée d'ouvrir sa porte à un lieutenant-colonel allemand. On ne peut pas rester non plus. C'est bien les films qu'on a vus après en disant on déteste le gars, on ne veut pas, etc. Mais quand vous avez un homme bien élevé, qui à chaque fois s'excuse, qui laisse passer ma belle-mère, qui ouvre la porte, etc., qui à chaque fois s'excuser de l'avoir envahi, c'est quand même un homme bien élevé. Ils sont plus de 400 000, ces soldats allemands qui stationnent en France, tout heureux de profiter de ce pays qui s'offre à eux. Le vaincu a droit à certains égards. La France n'est pas la Pologne. Les Français ne seront pas traités comme les Polonais. Mais pour maintenir l'ordre et assurer la sécurité de leurs troupes, les Allemands ont besoin d'identifier les opposants. Une solution. Obtenir la coopération directe des habitants. Vous avez vu ? En France, il y avait l'occupation. Les Allemands commençaient à mettre maintenant des contrôles pour pouvoir chercher à savoir où se trouvent les opposants. Les opposants, donc, ceux qui cherchent à libérer Paris. Donc, nous, les résistants, ainsi que les combattants qui se lèvent, les vrais, nous voulons la libération de notre Afrique. Mais pour cela, il faut être capable, il faut avoir l'esprit de ténacité, il faut être efficace physiquement et moralement. La peur, il ne faut pas l'avoir, parce que la peur amène que à la destruction. Peuple africain, il faut être solide quand on est un résistant. Il faut être combattant, réel, et être vraiment efficace. Il ne faut pas dire combattant et avoir peur, parce qu'un combattant qui a peur, c'est un combattant qui est prêt à mener pas mal des troupes dans l'abattoir. Un vrai combattant, il n'a pas peur. Un vrai résistant, il n'a pas peur. Et c'est comme ça que nous gagnerons la victoire. Le problème chez le Congolais de la RDC ou du Congolais de Brazzaville, deux Congos, mais un seul peuple. Mais c'est la colonisation qui nous ont séparés. Un côté français, un côté belge. Mais il faut comprendre une chose. À l'époque du Congo, avec le K, ce n'était qu'un seul Congo, les deux Congos. Donc c'est pour dire, le peuple bantou a besoin d'être efficace, moralement et physiquement. La peur, ils ne doivent pas l'avoir. Car tous ceux qui ont peur,
Hein? La peur amène qu'à la chute. La peur amène qu'à la destruction. Nous allons suivre les collabos et les Allemands, comment ils étaient à Paris. C'est très important. C'est parti. La délation va être officiellement encouragée. Dès août 1940, un premier décret tombe. Dans le nord de la France, il est fait obligation aux citoyens de dénoncer tout acte hostile dirigé contre les Allemands. L'article 2 sanctionne la complicité. L'article 3, la non-dénonciation. Quiconque, ayant reçu connaissance de sources sérieuses de plans dirigés contre la sécurité des forces armées allemandes, ne le communiquerait pas immédiatement à l'autorité allemande, sera passible de la peine de mort ou des travaux forcés. Dans cette moitié de France sous domination nazie, les Français vont écrire. Les premiers rapports des préfets signalent des flots de lettres anonymes adressées aux Allemands. Que révèlent ces lettres? Bien loin des complots contre l'occupant, il n'est en réalité question que de querelles, de vengeance, de haine entre Français. Des Français qui profitent de la présence allemande pour régler leurs comptes ou tirer avantage de la situation. Comme cette femme qui dénonce l'épicier de son quartier à la commandante Tour de Neuilly, parce que, écrit-elle, il trompe ses clients sur le poids des marchandises vendues. Pour rendre efficace sa dénonciation, elle l'accuse de détester les Boches et signe sa lettre « Salutations allemandes ». L'épicier sera arrêté et interné. Une habitante de Charente-Maritime ne supporte pas que son ex-mari ait obtenu la garde de leurs deux enfants. Alors, pour se venger, elle écrit à la Gestapo. L'ancien époux se voit accusé de tous les maux. Propagande communiste, écoute de la radio anglaise, détention d'armes. Arrêté, l'homme effectuera 27 jours de prison avant d'être innocenté. À Paris, cette fois, la commandante Tour reçoit des lettres dénonçant un homme pour possession d'armes. Les Allemands réagissent rapidement, perquisitionnent et découvrent un revolver. L'homme est arrêté. Un inspecteur de la police française mêlé à l'affaire décide de prendre en filature l'épouse éplorée. Un quart d'heure après l'arrestation de son mari, elle se rend en place Clichy où elle retrouve son amant à la terrasse d'un joli café, avant de monter dans une chambre d'hôtel. Après enquête, l'inspecteur découvrira que c'est l'amant qui avait envoyé les lettres. Dès le début, les Allemands ont bien conscience que la plupart des dénonciations qu'ils reçoivent sont motivées par des désirs de vengeance et sont majoritairement infondées. Cela n'a aucune importance, tant qu'ils trouvent dans ces milliers de lettres suffisamment d'informations pour réprimer délinquants et opposants, les Français peuvent bien continuer à se dénoncer entre eux. Mon camarade et moi-même avons le plus grand mépris des Français qui dénoncent leurs compatriotes, mais nous nous en servons, résume un officier allemand. Le préfet des Côtes du Nord confirme. Toutes les affaires qui ont provoqué des condamnations de Français par les tribunaux allemands ont été soulevées par des dénonciations d'autres Français. Si en zone occupée, les délateurs utilisent la toute-puissance de l'occupant pour régler leurs comptes, en zone libre, c'est un pouvoir français qui va inciter les citoyens à dénoncer. Je crois que la plus belle est celle où vous êtes en uniforme avec votre képi. C'est celle qui est le plus aimée et qui caractérise le mieux votre expression à la fois de bonté et de fermeté. Oui, puis en somme, avec mon képi, on me reconnaîtra. Avec le maréchal Pétain, la droite autoritaire, revancharde et anti-parlementaire prend le pouvoir. Sur les ruines de la Troisième République, une dictature est instaurée. Son projet, régénérer la France par une révolution nationale
et collaborer avec l'Allemagne. En zone libre, dans le royaume du maréchal, les premiers des lames de porter l'uniforme, ce sont les membres de la Légion française des combattants. Cette association d'anciens combattants, substitut de parti unique, les yeux et les oreilles de Pétain dans toutes les villes, tous les villages, tous les hameaux de France, est bientôt surnommée la Légion des Mouchards. Elle comprend une avant-garde de 10 000 militants musclés, le service d'ordre légionnaire. À genoux ! Je m'engage sur l'honneur à servir la France et le maréchal Pétain, chef de la Légion. SOL, debout ! Ardent et sectaire, véritable délateur semi-officiel, les légionnaires signalent aux autorités les gaullistes, les francs-maçons, les naturalisés et les juifs, bouc émissaire du nouveau régime. En octobre 1940, Vichy adopte un statut des juifs. Pour la première fois, une loi raciale voit le jour en France, une loi qui répond comme en écho aux persécutions que les Allemands multiplient en zone occupée. Partout, les juifs sont humiliés et exclus de la vie nationale. Sarah vit à Paris. Son père, journaliste, ne peut plus travailler. Toute cette période-là a été une période de terreur pour moi. Et pour tous les enfants juifs, on savait qu'on était menacé de quelque chose, on ne savait pas de quoi encore. On sentait quand même qu'il y avait une injustice, il n'y avait pas de raison de pointer le doigt sur les juifs spécialement. On n'avait rien fait. Du jour au lendemain, on s'est retrouvés comme des parias, quoi, complètement. La délation va alors prendre une nouvelle dimension. Puisque les juifs sont officiellement devenus des parias, c'est au grand jour qu'il faut les dénoncer. Une presse pro-nazie et antisémite envahit les kiosques. Le cri du peuple, Gringoire, l'appel, au pilori. Chacun a sa rubrique spécifique dédiée à la dénonciation. On dit que dans l'appel, répétez-le dans Gringoire. Tandis que le journal Je suis partout va même créer des sous-rubriques pour les juifs, aux titres évocateurs. Sous les étoiles, ou cieux étoilés. Des listes de francs-maçons et de juifs supposés en infraction sont publiées avec nom, adresse et profession. Ces nouveaux apôtres de la discrimination raciale ne tolèrent pas qu'on leur résiste. Plusieurs journaux mènent campagne pour dénoncer Artem Nakash, champion du monde français de natation, protégé jusque-là par sa fédération. À la suite de ces articles, Nakash sera arrêté et déporté avec sa famille à Auschwitz. Il survivra et reviendra des camps de concentration, mais sans sa femme Paul et sa fille Annie, âgée de 2 ans. Au pilori souhaite mettre ses lecteurs à contribution en créant un véritable réseau d'informateurs, détecteurs de juifs. Nous engageons nos correspondants de province à nous tenir avertis et à organiser par ville et région un service de renseignement. Ni un juif ni un franc-maçon ne doivent échapper au contrôle de au pilori. Des appels à la délation d'autant plus redoutables que cette presse tire à des dizaines de milliers d'exemplaires. Je suis partout, dont le rédacteur en chef est le célèbre écrivain Robert Brasillach, est le plus populaire, avec plus de 200 000 lecteurs réguliers. Moi, j'aimais beaucoup Brasillach. Beaucoup de gens aimaient Brasillach. Qui ne lisait pas Je suis partout? Dans les familles, non. Je ne peux pas dire bourgeoises, mais dans les familles, dont une partie avait fait la guerre des 14-18. Pour appâter le lecteur, on cloue au pilori les vedettes du moment. Pierre Freinet, Viviane Romance, ou encore Charles Trenet, accusé d'être juif. Monsieur Trenet s'appelant sauf erreur Néther, dont Trenet n'est que l'anagramme, et étant, paraît-il, petit-fils de rabbin. Patiente. Certaines personnalités sont dénoncées. D'autres choisissent au contraire d'apporter leur voix à ce déferlement de calomnie. Ainsi, le journaliste fasciste Lucien Rebattet, qui dénonce un ami de sa mère, un enseignant gaulliste, ou le
le célèbre écrivain Louis-Ferdinand Céline. Convoitant le poste de médecin du dispensaire de Bezons, le docteur Destouches, alias Céline, dénonce son titulaire, le docteur Hogarth, comme médecin étranger juif non naturalisé. Quand il apprend qu'Hogarth n'est pas juif, Céline crie une deuxième lettre de délation. Vous le savez sans doute, j'avais jeté mon humble dévolu sur le poste de médecin du dispensaire de Bezons, actuellement occupé par un nègre haïtien et sa femme. Ce nègre étranger doit normalement être renvoyé à Haïti, d'après les lois nouvelles en vigueur. Quelques jours plus tard, le maire signe la révocation du docteur Hogarth et son remplacement par le docteur Destouches. Le pouvoir et la presse se déchaînent contre ces parias que sont devenus des juifs. Qu'est-ce qui empêche désormais chaque citoyen de prendre la plume? Peu à peu, des Français se laissent contaminer par le poison de la délation et écrivent aux Allemands, à la police française et même au maréchal Pétain, pour dénoncer les juifs et faire de la délation une arme massive de persécution. En zone occupée comme en zone libre, le destinataire privilégié de ces délations est le commissariat général aux questions juives, véritable ministère de l'antisémitisme créé en mars 1941. Chaque mois, ces agents de l'État français enregistrent, classent et exploitent les centaines de dénonciations reçues. Monsieur, vérifiez donc ce que le juif qui est établi au 72 rue de Vanves fait. Il est bijoutier, il est toujours dans son magasin. Et si ce n'est pas lui, c'est sa femme, une enjuivée. Avec vous. Le juif étranger Rosenfeld vous a-t-il déclaré son auto, sa moto, ses vélos et son joli mobilier? À bas les juifs et vive la collaboration. Monsieur le commissaire aux questions juives, je me permets de vous écrire mon étonnement de voir encore dans la rue Oberkampf des youpins tenant encore leur commerce. Voici les adresses. 112 rue Oberkampf. Janine est issue d'une famille ouvrière du Havre. Elle a 17 ans lorsqu'elle est embauchée au commissariat général aux questions juives. J'étais employée ici à Place des Petits Pères comme dactylographe. C'était un commissariat de questions que pour les juifs. Comme nous, on a le commissariat de police, mais eux, c'était le commissariat pour les juifs. On me donnait des lettres manuscrites, plus la carte d'identité des gens que les inspecteurs avaient arrêtés, donc ils nous les faisaient recopier sur un document. Si toutefois il y avait un mot que je ne comprenais pas, j'allais voir ma chef pour qu'elle me l'explique, qu'elle me dise comment ça s'écrivait. On tapait sans arrêt. Le service était efficace. Jusqu'en 1942, le commissariat est dirigé par Xavier Vallat, fervent catholique, célèbre député de l'entre-deux-guerres. Au départ, ses services se piquent d'instiller quelques principes vertueux dans l'utilisation des lettres de délation et ne retiennent pas les courriers anonymes. Ils se ravisent bientôt, les impératifs de la politique anti-juive primant sur toute considération morale. Grâce à ces lettres, le commissariat général aux questions juives repère les juifs en infraction. Il peut les spolier, ordonner qu'ils soient exclus de leur emploi ou arrêté par la police. Les délations sont souvent dactylographiées ou fin d'enquête. Paul Robert, lieu 84 du Poteau, Paris 18e, origine information, référence 100, objet juif en infraction. Oui, mais on ne se rendait pas compte. Moi, je sais bien que j'étais la première à ne pas me rendre compte. Qu'est-ce que c'était qu'un juif? Pourquoi qu'on faisait ça? On aurait arrêté dans un commissariat de police quelqu'un qui avait fait du mal. Pour moi, c'était la même chose. Je voyais pas la différence. Mais vous vous posiez pas la question de ce qui arrivait aux juifs? Non. Moi, je me suis jamais. Moi, ouais, toujours, je me suis jamais posé la question. Les lettres anonymes émanent le plus souvent de gens fragiles socialement, de chômeurs, de petits artisans, de concierges. Quand les lettres sont signées, leurs auteurs sont plutôt issus des classes supérieures, médecins, architectes, avocats, voire hommes politiques.
1941, un notable de province, Maurice-François Brajon, écrit à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives. N'ayant aucune ambition politique personnelle, j'estime tout de même de mon devoir de vous signaler le danger que présente pour l'œuvre du maréchal Pétain la présence dans le canton de Raon-l'Étape d'un juif tel que Charles Veille. Les nombreuses lettres de François Brajon auront l'effet escompté. Excusez-moi, donc quand vous suivez cette vidéo, ce direct-là, c'est un direct pour la sensibilisation de tous les résistants vrais et tous les combattants vrais. Parce que pour la libération d'un pays, il faut que le peuple aime sa terre. Il faut que le peuple soit motivé. Il faut que le peuple enlève la peur. Car la libération de l'Afrique doit venir avec une détermination efficace et claire. Car la peur amène à la destruction, à la chute. Il faut que le peuple africain ait les mêmes tactiques comme ce film qui est en train de tourner sur les Allemands à l'époque de l'occupation en France. Ce qu'ils ont fait au peuple juif. Mais il faut que ça ouvre l'intelligence des Africains qui aiment les chaussures, qui aiment les costumes, qui aiment les belles carrosseries de voitures. C'est quand même malheureux et honteux. Des Africains vivant en Europe, aux États-Unis, au lieu de s'occuper de la situation qui se déroule déplorablement au Congo, ils sont là en train de courir derrière des petites femmes. Ils sont là en train de regarder que les femmes en route. Ils sont là en train d'aller dans des bars. Ça, c'est pas un combat. Ça, c'est pas aimer sa terre. Mais vous n'êtes pas né à Paris. Vous êtes né au Congo, RDC. Mais êtes-vous vraiment au courant que ça va mal là-bas? Au Kassai, plus de 40 000 personnes. Les enfants risqueront de mourir. Et il y a eu pas mal d'enfants déjà morts. Mais ça doit ouvrir la conscience des Congolais. Congolais debout. Debout pour la libération de la RDC. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Tout ce que nous faisons, tous les services de renseignement en Europe, aux États-Unis, partout, ils savent. Ils savent qu'il y a des gens qui sont déterminés à arriver pour la libération de leur continent, qui est l'Afrique. Ils le savent. Je vous demande d'être solide physiquement, moralement, d'enlever dans vos cerveaux, dans vos têtes, la peur. Cela, ce message, est aussi pareil pour le peuple gabonais. D'enlever la peur dans leur tête. Car libérer la terre, c'est primordial pour tout peuple. Le Gabon, ça vous appartient, libérer le Gabon. Peuple gabonais, debout. Donc, ce message concerne aussi le peuple camerounais. Vous devez enlever la peur de vos têtes. Seule que la détermination, seule que la lutte amènera à la victoire. Ce message aussi est pour le peuple togolais. Seule que la lutte et la détermination vous amènera à la victoire. Ce message aussi est pour le peuple de la Côte d'Ivoire. Mais il faut être déterminé. Les dictateurs n'ont aucun sentiment, aucune affection vis-à-vis du peuple. Eux, le peuple, ils les voient comme des antilopes et des sangliers. Il faut les tuer. Êtes-vous né pour qu'on vous tue? Êtes-vous sorti du ventre 9 mois, 5 mois, 6 mois du ventre de vos mamans pour qu'on vous tue? Il faut refuser. La détermination sec et sec. Nous repartons, nous allons suivre la France sous en occupation à l'époque des Juifs, des Allemands. Charles Veille sera arrêté et mourra en déportation. François Brajon a beau se présenter comme étant sans ambition politique.
Veil avait été son adversaire victorieux aux élections municipales. Combien de destins happés par cette mécanique implacable? Combien de tragédies familiales déclenchées par une simple lettre? Comme ce mélodrame en plusieurs actes que l'écrivain Henri Amouroux intitulera « Roméo et Juliette » en 1942. La jeune Annette Zellman naît en France en 1921, où ses parents se sont installés et tiennent un commerce de confection. Ils vivent à Paris. Annette a un tempérament d'artiste. Elle fait bientôt la connaissance d'un jeune homme de bonne famille, Jean Josion, étudiant et intellectuel proche des milieux surréalistes. Ma sœur est rentrée aux Beaux-Arts. Elle fait connaissance de Jean Josion et ils sortent ensemble. Jean Josion était fasciné par ma sœur. Ma sœur avait 1000 talents. Tous les vêtements qu'on voit sur les photos, c'est elle qui les a faits, même cousus. Après les Beaux-Arts, ils allaient tous au Café de Flore. Mais comme on ne pouvait pas sortir après 8 heures, Jean Josion, tous les soirs, venait passer la soirée chez nous. Il a fait du droit, il est journaliste, il connaît tout, il connaît la peinture, il connaît les livres. Donc pour nous, il nous apporte, tous les jours, il nous apporte quelque chose de nouveau. On l'aimait beaucoup, c'était toujours très gai chez nous. Malgré la guerre, les amoureux sont insouciants. Jean poursuit ses études tout en publiant dans des revues littéraires. Annette vit de ses dessins. Il fréquente la bohème intellectuelle du quartier Saint-Germain-des-Prés. Côtoie Boris Vian ou Simone de Beauvoir. Les mesures répressives allemandes s'avèrent toujours plus redoutables. La famille Zellman décide de fuir en zone libre. Annette, elle, fait le choix de rester à Paris avec Jean, par amour. On décide de partir tous les quatre, ma mère, ma grande sœur et mon petit frère. Et à ce moment-là, elle dit, moi je ne pars pas, donc on la laisse sans avoir de soucis, Annette reste seule à Paris. Annette et Jean veulent se marier. Un mariage insupportable pour certaines personnes. Annette est dénoncée directement à la Gestapo. J'ai été informé que le jeune français Jean Josion a l'intention d'épouser la juive Anna Zellman, née en 1921 à Nancy. C'est encore une juive qui veut échapper à un contrôle en se mariant avec un arien. Fin du premier acte. Désormais, les jours d'Annette sont comptés. Vous avez vu? Des Français sont organisés à trahir les Juifs en France. Des Français à trahir aux Allemands. Parce qu'il y avait des Français collabos. C'est comme en RDC. Il y a des Congolais qui sont des collabos. Des Congolais qui sont prêts à vendre toute la patrie aux Rwandais Tutsis et aux Burundais et aux Ougandais qui sont là-bas, entre des Kabila. Maintenant, les Congolais doivent s'organiser pour pouvoir savoir où se trouvent tous les traîtres collabos. Parce que la mission, elle doit être Bomaba Collabo. Destruction des collabos en RDC pour arriver à attraper un à un des Rwandais Tutsis. Il faut que ça se fasse. Parce que dans l'armée, il y a des Rwandais Tutsis. Dans la police, il y a des Rwandais Tutsis. Ils ont occupé tout le secteur administratif en RDC. Vous avez en Europe, aux États-Unis, pas mal des Rwandais Tutsis qui voyagent avec des passeports congolais de la RDC. Mais ça devient le bordel.
Ils ont des passeports qu'ils ne devront même pas avoir. Mais ils ont ça, ils vont partout en Europe. Aux États-Unis, ils voyagent. Et des gens qui ne sont pas des Congolais, des Bantous. Cela doit réveiller la conscience des Congolais endormis. Arrêtez de suivre les théâtres. Arrêtez de suivre les feux de l'amour à Paris. Les feux de l'amour qui vous rend idiots et idiotes. Arrêtez. Peuple de la détermination. Vous devez être des peuples de la détermination. La libération de toute l'Afrique, elle dépend de la RDC. La RDC est la clé centrale. Et les Occidentaux tous le savent. Mais il faut que la RDC se libère. Donc suivez bien, faites et suivez bien ce direct-là pour comprendre comment il faut en découdre avec les Rwandais Tutsis en RDC. Mais pour atteindre ces Rwandais Tutsis, il faut d'abord capturer tous les collabos. Tous les collabos congolais. Parce que pas mal de Congolais collabos donnent des noms, des vrais Congolais. Ils donnent des secteurs, des quartiers, des gens pour qu'on aille les enlever. Et c'est ce qui se passe en RDC. Peuple congolais, Bofongola Miso, ouvrez bien vos yeux. On repart. Look, hein? À Paris avant. Hein? Les Allemands avaient occupé Paris. Pendant ce temps, la guerre poursuit ses ravages. L'Allemagne nazie ouvre un nouveau front. En juin 1941, son armée envahit l'Union soviétique. Dans un premier temps, cette attaque surprise est couronnée de succès. Le pacte de non-agression germano-soviétique signé 2 ans plus tôt vole en éclats. Ce tournant de la guerre vient relancer la machine répressive de la dénonciation. Les délateurs auront désormais une nouvelle cible, les communistes. En France comme partout en Europe, les militants clandestins passent à la lutte armée. Le 21 août 1941, au métro Barbès, un militaire allemand est abattu par Pierre Georges, alias colonel Fabien, chef de l'un des bataillons de jeunesse communiste. Un mois plus tard, un autre soldat, le capitaine Scheben, est tué. Le 20 octobre 1941, une nouvelle opération se prépare. Gilbert Brusselin, militant de la Jeunesse, est chargé avec ses deux camarades, Spartaco Kisco et Marcel Bordarias, d'abattre un Allemand dans la région de Nantes. Tandis que Bordarias surveille les alentours, Gilbert Brusselin et Spartaco Kisco débouchent sur la place Saint-Pierre. Ils y aperçoivent deux militaires allemands qui sortent d'un café. Brusselin est armé de 2.6-35 et Spartaco d'un pistolet 7.65. Par chance, les deux officiers ne prêtent pas attention aux deux jeunes communistes. Alors qu'ils sont à moins d'un mètre de leur cible, Brusselin et Kisco font feu à bout portant. L'un des deux militaires s'effondre, tandis que Brusselin et Kisco s'enfuient à toute vitesse. L'arme de Kisco n'a pas fonctionné. Seul Brusselin a tiré 2 coups de feu. Les deux communistes ne le savent pas encore. Mais ce matin-là, à Nantes, la chance, le hasard ou le sort leur a fait commettre un des crimes les plus retentissants de toute l'occupation. Qui
abattu. Le feldkommandant de Nantes, Karl Hotz, le plus haut responsable régional de l'administration allemande. Dès lors, cet attentat devient une affaire d'État. Dans les heures qui suivent, Hitler est informé. Il exige que 100 à 150 otages soient fusillés en représailles. Il veut faire un exemple. Une cinquantaine d'otages sont désignés pour être exécutés. Le 22 octobre, ils sont fusillés. Parmi eux, le jeune Guy Moquet, 17 ans. Les autorités allemandes annoncent l'exécution de 50 otages de plus si les responsables de l'attentat de Nantes ne sont pas dénoncés aux autorités. Une traque d'une ampleur exceptionnelle est mise en œuvre par la police française afin de retrouver les assassins. Mais la police ignore tout de ces bataillons de jeunes communistes, mineurs pour la plupart. La dénonciation constitue alors la meilleure arme pour traquer cette armée de l'ombre. Aux abois, les autorités allemandes comme françaises se livrent à une véritable surenchère d'offres, de primes et de récompenses. La commune de Nantes promet une gratification de 200 000 francs à tout informateur sérieux. La préfecture, elle, s'engage à verser la somme de 500 000 francs. Dans un avis diffusé dans toute la zone occupée, le général von Stuttnagel, le chef de l'administration allemande en France, offre jusqu'à 15 millions de francs. Et pour protéger les délateurs, l'administration allemande promet de traiter ces informations confidentiellement. La délation investit maintenant les murs des villes, les unes des journaux, comme un mal contagieux auquel on ne pourrait plus échapper. Au point de voir le chef de ce qui reste de la France appeler lui-même ses compatriotes à dénoncer les criminels de Nantes. 50 Français ont ce matin payé de leur vie ces crimes sans nom. Français, votre devoir est clair. Il faut faire cesser la tuerie. Dressez-vous contre ces complots. Aidez la justice. Un coupable retrouvé et 100 Français sont épargnés. Jours plus tard, alors que le feldkommandant Hotz est enterré en grande pompe, le gouvernement du maréchal Pétain adopte dans l'urgence et sous la pression de l'administration allemande une loi faisant obligation aux citoyens de dénoncer tout crime ou projet de sabotage. Vous avez vu ? Donc il y a besoin. Il y a besoin d'organisation. Hein ? De sabotage en RDC. Sabotage en RDC de tous les systèmes pour pouvoir écraser le système de Hippolyte Kanembe, alias voleur du nom de Kabila. Le vrai Congolais assassiné. C'est comme ça qu'on pourra en découdre avec les imposteurs en RDC. La détermination doit être sec vis-à-vis des traîtres, vis-à-vis de ceux qui ont tellement exterminé le peuple. L'organisation doit se faire, coûte que coûte. Cela est un message aussi pour le peuple gabonais. Ils doivent connaître partout ce que se trouvent des collabos au Gabon. Des collabos. Car quand vous attraperez les collabos, vous mettrez fin aux collabos gabonais, vous toucherez à Ali Bongo. C'est comme ça. Hein? Cela aussi dépend pour le peuple camerounais et le peuple togolais. Et le peuple ivoirien qui cherche à être des peuples libres. L'organisation doit se faire. Car en France, ils ont eu à travailler pour libérer Paris. Et
la libération de Paris ne dépendait pas que des combattants français et des résistants, mais le peuple africain sont venus leur donner un coup de main. Donc nous, nous devons être efficaces pour libérer notre Afrique. Nous devons être efficaces pour effacer tous ces dictateurs qui sont l'ennemi de toutes les générations en Afrique chez nous. Ils n'aiment pas le peuple. Ils aiment leur ventre, ils aiment l'argent que pour eux. Il faut comprendre. Regardez, en Europe, il y a le chômage. Aux États-Unis, partout. Mais et pourtant, les multinationales se font des centaines de milliards. Donc les multinationales veulent maintenant montrer que l'argent les appartient. Mais est-ce qu'à l'époque de l'occupation allemande, en France, est-ce que les multinationales ont libéré Paris? Non. Ce sont les Africains qui sont venus donner un grand coup de main. Donc ce que j'ai à dire, vive la patrie, vive la libération, vive la détermination. Nous continuons sur ce direct. C'est la sensibilisation. Avoir connaissance d'un acte de résistance et ne pas le signaler est dorénavant considéré comme un délit, passible de 5 ans de prison. En l'espace de quelques jours, un nombre impressionnant de dénonciations afflue dans les services de police. Et de nouveau, dans cette masse de lettres la plupart du temps infondées, la police trouve les éléments décisifs qui vont lui permettre d'abattre le groupe prussien. Grâce au signalement donné par une certaine Madame Huot, tenancière de la boîte à sardines, où les trois communistes ont souvent déjeuné, Gilbert Brucelin est identifié. Sa sœur est retrouvée et interrogée. La presse publie sa photo en première page. Toutes les polices de France le recherchent. Malgré tous les efforts déployés, Brucelin échappe à la traque et parvient à s'enfuir en Espagne. Ses complices, Marcel Brodarias et Spartaco Gisco, finissent par être arrêtés. Et même torturés. Ils seront jugés lors du procès de la Maison de la Chimie, un procès d'opérette, organisé par les Allemands au printemps 1942. Ils seront fusillés avec 21 de leurs camarades. Brodarias avait 18 ans. Vous avez vu des gens combattants qui cherchaient à libérer Paris, qui ont tué un grand homme allemand à Paris et trahi par des Français. Donc ça veut dire au Congo RDC, vous avez des gens vrais et vous avez des gens faux. Il y a des Congolais qui travaillent pour Hippolyte Kanambe, alias Kabila. Ils vont donner des noms des gens. Mais il faut bien se préparer, peuple congolais. Enlever la peur, enlever la crainte. L'homme est un homme qui doit avoir des couilles. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit peureux. Vous avez des femmes qui sont courageuses, des femmes qui sont déterminées, coûte que coûte, à en découdre avec le bateau Titanic. Car la dictature qui perdure en RDC est une dictature qu'il faut effacer, une dictature hitlérienne. Hippolyte Kanambe, c'est l'arrière-petit-fils d'Hitler. Il est noir de peau, mais intérieurement c'est un blanc. Mais il faut être efficace pour l'effacer. Nous continuons à suivre l'occupation à Paris avant des Allemands. Décimés par la répression, les militants communistes se font de plus en plus prudents. Mais les policiers s'adaptent. Les dénonciations entraînent désormais de patientes filatures. Jusqu'alors, la moindre lettre, même fantaisiste, était exploitée. Une dénonciation pouvait entraîner une arrestation. À présent, grâce aux filatures, une lettre.